Ça expliquerait pourquoi ils se retrouveraient tard, le soir, ensemble, la nuit, seuls tous les deux. J'ai vomi Mossad. T'as vraiment des conclusions de merde. Non. Mais je croyais que t'avais... Ah, salut Lucas. J'ai jamais aimé Lucas aux marionnettes. T'as oublié le câlin. Salut Lucas. Merde, j'ai pas me plaindre face au téléphone. Désolée, je dois aller là. Merde. Je te charge depuis ta... Putain. C'est pas grave. Comme ça on l'a plus dans les pattes, ce petit con. Qui me dit-tu? Mais attends, t'as fait tout ce cercle avec Adrien juste pour une photo? C'est... C'est vrai? Non. Oui, plus que tu ne penses. Ouais, plus que tu ne penses. C'est-à-dire? Bouche B, je vais reprendre là. Perte d'équilibre. Perte d'équilibre. C'était pas prévu. Pas de journal. Oh, j'ai fait un regard caméra. Alors c'est quoi la fameuse Alia qui a pris cette femme? Oui, c'est moi, la mairie. Ouais. Ah, j'étais presque. C'était ça. Putain de merde. Ah oui, ça par contre, on va avoir le... On va y arriver, t'inquiète pas. Moi j'irai. Merci la porte. Putain, oh, ouais, c'est... La... Je crois que j'ai une phrase justine. Bah là, si tu l'envoies directement de ton téléphone, on va cramer que c'est toi. Ça va aller, ça va aller. Je crois que Lila a craqué, c'est tout. Pourquoi je dis ça? Je suis en hauteur. Oui. Désolé. Bon. Non, ça on s'en fout. C'est par rapport à votre relation avec Mademoiselle Couffaine. Est-ce possible une relation? Une relation. Monsieur. Bonjour monsieur, vas-y, filme, prends le son. Faut que je contacte Oh non, partez sans moi. Partez. Allez-y, partez sans moi. Lucas. Ah Kakami, t'es là. Vite, faut qu'on... Ah putain de mèche de merde. Lucas m'a enlevé quelque chose dans l'œil. Quoi? Ouais. Et ouais, je le savais. Ce qui a l'air réaliste. Il m'attendait pas, j'y crois pas. Action. Quoi? Toi et Lucas. Oh, je suis Action. Pouvoir mieux la réconforter. Exactement. Et en plus, avec Kakami, t'imagines l'explication que vous allez avoir? J'imagine trop là! Ah, ils vont s'embrouiller! Ouais! Ah, s'embrouiller! Ça, c'est pire! Tu aurais pu avoir des problèmes avec ton père par ma faute et je l'aurais pas supporté. Ça t'en doutais, c'est pas grave! C'est pas grave! Ah, mais je veux tout! Ah. Kagami, je ne peux plus cacher ce que je ressens pour toi. Ah, en ce jour de Saint-Valentin, je dois le dire. Oui, quoi? Kagami et ma Valentine. C'est ça, ça me fait rire en fait. Kagami et ma Valentine. Oh,
pardon, je... Hé, hey, ça suffit. Comme a demandé Alia, laissons les principaux concernés s'expliquer. Non. Ah ouais. Et c'est quoi ça? T'as l'air triste, Lila, ça va? Non, pas trop. Attends, j'ai un truc qui me gêne. Je vais l'envoyer à Marinette. Comme ça, avec Adrien, c'est fini. Avec Adrien? Putain de merde! Merci beaucoup. J'ai pas ça pour faire le cœur. Non, non, t'inquiète. Mais... mais tu m'as fait peur! Je... Putain, les cheveux en vert fluo. Ça te fait rire, toi? Ouais. Ils viennent de deux mondes différents. On mélange pas les torchons et les serviettes. Qu'est-ce que tu fais, ce connard? C'était Lucas? Non! Mon Lucas, non, c'est mon Lucas! Mon Lucas n'aurait jamais embrassé ma Kagami pour moi! Mais non, mais faut pas que je le fasse, sinon putain, merde! Non, faut pas que je le fasse, que ça va griller le fait que je... Pour les abonnés, je peux pas! Je peux pas! On revient, on le refait. Et il faut que je retrouve l'aiguille. Bah, désolé. Je vois, les journalistes devraient ma passe. Oui. Premier objectif, empêcher Adrien et Marinette de voir la photo. Oui. Oui! Ah, c'est-à-dire que. Mais qu'est-ce que tu fais? Justement, oui, on a. J'ai pas l'appareil photo. Ah ouais! Si on a des photos, quel est le rapport? Des photos? Pour promouvoir le groupe. Mais vous n'y connaissez rien, votre parole. Ah bon, d'accord. Ouais, vous imaginez. Faut vite aller acheter à manger alors. Qu'est-ce qu'il vous faudrait? Alors, il nous faudrait deux gros kebabs avec... T'as oublié les haricots. Pardon. De quoi? T'as oublié les haricots? Ah putain, j'ai oublié les haricots. Mais oui, t'as eu le début ou pas? Oui. Non, il a pas eu. Attachez Adrien et Marinette de tomber sur cette photo. Ça, c'est mes lunettes. Pardon, je commence. Prends cette écharpe. Je vais te mettre ça, hop, comme ça. Voilà. On va prendre que t'es chic, t'oublies là. Tu ressembles à une manouche. Justement. Bah, ça m'a l'air pas mal. En mode discrètement. Magnifique, super. Vous faites votre tatou toute seule. Mais Marinette habite juste à côté, tu pourrais aller chez elle pour récupérer un costume. Et puis voilà, tu peux être tranquille. Et Je crois que c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Non, je dis que c'est. Non, je dis que c'est Adrien. Oui, non, pardon, ma c'est mère. Adrien. Premier objectif, Adrien et Marinette ne doivent pas avoir la photo. Oui, laisse-moi réfléchir. Marinette, elle faut que t'aies chez Marinette, parce qu'elle habite pas loin. Oh putain, j'arrive pas. Non, attends, faut que je te le repasse. Je risque d'être essoufflée, mais rien de bien méchant. Non, mais je m'inquiète pas. Je sais que t'es une fille, je vais dire audacieuse. Oh! Oh! Ah, bah dis donc! C'est pas ça. Je sais que t'es une fille forte. C'est ce que j'apprécie chez toi d'ailleurs. Pour ça d'ailleurs. Ça va comme ça? Ça me paraît pas mal. Oui. Mais comme ça. C'est trop dur. Et moi je suis parolier. Et justement, je vais lui donner les partitions pour que, vous savez, il joue. J'ai adoré la tête de mort.
Vendée, je la connais bien. Ouais, je vois ça. Attends, non, je te regarde pas, ah, je reconnais. Putain. Je suis désolée. Parce que c'est... Justement, je t'attendais. Non, c'est...